Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, on voudrait tous vous remercier, vous les abonnés, les plus anciens, ceux qui sont là depuis la première heure, les plus fidèles, mais aussi tous les nouveaux, ceux qui sont arrivés à l'occasion de la Saint-Élion. Merci à vous. Et si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, il y a le logo de la chaîne en bas à droite, vous avez juste à cliquer. On voudrait aussi remercier l'Orga, les foulées du Noble Jouet qui sur cette corrida nous ont invités. Et comme à chaque fois, comme il n'y a pas de raison qu'on paye pas, nous on fait un petit chèque équivalent au montant de notre dossard à une association. Cette fois, c'est la team Ruban Bleu qui va en profiter. Merci à vous. Salut à tous, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui on est à Èvre et franchement, ça nous fait chier. Ça nous fait grave chier d'être là. On est à la corrida du Noble Jouet et nous, la corrida, putain, la maltraitance animale, on n'aime pas ça du tout. Mais regardez, qu'est-ce que je vous ramène? Un organisateur de corrida, un mec de l'organisation, quoi. Hein? Ça te fait marrer la corrida, toi? Hein? Hein? Allez, viens. Ouais. Viens, tu vas voir. Allez, hop. Ça te fait marrer, hein? Allez, va. Laissez passer le bourreau! Laissez passer le bourreau! Le tortionnaire! Bouh! Allez, bienvenue à Èvre, la corrida du Noble Jouet, donc c'est 1, 2, 3 ou 4 tours, 2,4 tours chacun, vous en faites autant que vous voulez. Je crois que c'est l'une des premières corridas du 37. Ouais, bah ils nous font chier quand d'animaux. Exactement, putain ça monte. Film pour le concours, ça va pas durer longtemps. Accélère Alex, il y a le bourreau des taureaux qui essaie de nous semer là. Reste là, on n'a pas fini avec toi, tortionnaire. Tu vas voir la corrida. Alors ils sont comment les Ready to Run? Super, je suis à fond. Ça c'est un homme de goût, messieurs dames. Merci à toi, bonne course. Merci. Ravito. La vache, elle boit de l'eau. Il y a un ravito correct là-bas. Là. Ouais, il y a un ravito correct un peu plus loin là-bas. Là. Allez, dépêche-toi. Là. Merci à vous les bénévoles, merci beaucoup. Je pense qu'il a fait un petit peu à la rage. Merci à vous. Et 2,4 km, c'est déjà la fin du premier tour. À l'arrivée, un embranchement. Stop ou encore, il n'y a qu'à choisir. Ils sont en forme, les gars, c'est impressionnant. Allez, messieurs, deuxième tour. C'est parti. Ravito Elite. J'annonce Ravito Elite. Ravito Elite, monsieur, là-bas en bleu. Ah oui, 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 Ravito Elite, venez là, vite. Un verre au choix. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, la vôtre. Moi, je vais prendre celui-là. Ta-ta-ta-ta. Au coulis du Noble Jouet. Ah yes! Ah putain! Ah. On est bien nourri au Noble Jouet. Merci à l'Orga. Prends ton temps d'homme, hein, on l'a déjà faite celle-là, mais vas-y, personne te regarde. Ne regardez pas, ça me bloque. Allô. Bon, on arrive au deuxième tour là. Avec une bonne moyenne parce qu'on est devant. Pour une fois, on nous a fait venir pour ça en fait, on a pris la tête de ces boucles. Ça suit bien derrière pour le moment. On essaye un petit peu d'étirer le truc. On met de la pression. C'est dur hein.
C'est dur pour certains, mais rassure-toi, tu peux compter sur nous, on est là, quoi. T'es pas un loser, t'es pas un fragile, quoi. Ah, oh, ils sont là, c'est pas vrai. 30 secondes devant, bon, les gars, les mecs. Ils sont à 30 secondes devant vous. La fin du deuxième tour, monsieur le bourreau. Encore ou stop? Ah, il dit stop. Eh ben, on continue. J'ai peur. Ah, putain, va pas. Oh là là. Voilà, je suis pas. Ah, d'accord. Je vais pas. Allez, hop. Eh, hey, sirop, il y a que ça dedans. Non. Ah non, il n'y a pas que ça. Non, il y a vodka. Ah oui, il y a un peu de vodka. Il y a un peu de vodka. Allez, bon courage. Encore, on remet votre maillot. On remet ou pas? Merci, non, c'est. Vas-y. Oh l'enculé, il est où la vache là? Il est barré par où lui? Putain, attends, oh on va voir par là. T'es sûr? Bah, on va aller là-bas, attends. Oh il est où, bordel? Ah merde. Trouvez-le! C'est bon, on va retrouver. Bon, t'étais barré où encore, toi? On peut pas te barrer comme ça, on a fini à Saint-Élion nous quand même. Hein. Allez, avance. Allez. Allez, vous m'excuserez, mais je peux pas m'empêcher de la faire. Aucun ralenti n'a été appliqué sur cette vidéo. Et nous un sec bras tendu. C'est pas que c'est très bon, mais. Voilà, c'est ça. Carrément les spectateurs, les bénévoles. C'est du pulco, les gars, c'est ça? Allez, ouais, c'est du pulco. Ouais, pulco de cello. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, normalement, vous êtes. Ils sont tarés ici, quoi. En tout cas, un tonnerre d'applaudissements pour les Ready to Run! Et enfin vainqueur sur les deux tours, Mélanie Duroc et Pierre-Yves Colombani. Ouais Pierre-Yves va pas se planter, bien tenté, bien tenté. Voilà. Ouais, arrête de bouffer, putain. Pierre, Pierre, on a changé de nom. C'est notre partenaire depuis nombreuses années. Bon, la corrida du noble joué, c'est terminé. Voilà, on s'est bourré. Ouais, on s'est un peu trompé, on savait pas que la corrida, c'est juste parce que ça se passe en ville. Ils étaient sympas, en fait. Et en fait, ils étaient sympas, il n'y a pas une page de maltraité, ouais, parce que... Enfin, on croit pas. Enfin, normalement, on sait, ouais. On est désolé. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, merci voilà. Lorgane de nous avoir invités, c'est une très bonne course avec des ravitaux super sympas. Puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis on se retrouve bientôt. Allez, merci à tous, pensez à vous abonner, allez commenter, on viendra répondre à tout le monde. Abonnez-vous et mettez-nous un pouce bleu. Et puis à bientôt, ciao pour une prochaine vidéo. Et vous faire enculer, Antoine. Ouais, on est désolé, merde. Le champ, je le dis celui-là.